dit après. C'est l'apothéose, voilà. Qu'est-ce qu'on aurait pu espérer de mieux que de faire le titre avec les gars? Et moi, je suis très content parce que, voilà, il y a une préparation qui a été très longue. On a préparé ça toute l'année. Et il n'y a pas de meilleur scénario que tout le monde reparte avec une médaille. Et en plus, avec un titre. En finale, il fallait que je fasse mon job. C'était le gros suspense. Je suis content. C'était le gros suspense à ce moment-là. T'as pas la pression, t'as pas eu le trac? Non, pas la pression. Moi, j'ai toujours dit à l'équipe qu'ils pouvaient compter sur moi malgré ma blessure. Voilà, c'est ce que j'ai prouvé. Et, ils se sont bien dépouillés toute la matinée. Je pouvais pas me foirer. T'es crevé, là. Je suis cuit. J'ai qu'une envie, c'est de retrouver mon oreiller. Tu veux lui dire quoi? Je t'aime. La suite, ben, c'est les vacances, un peu de repos, bien mérité, pour moi et mes camarades. Le coach avait dit un mois, les médaillés, deux, trois semaines, pas de médaille. Je pense que là, tout le monde a un mois. Et vous, deux médailles, deux mois alors? Ah ben, je crois que c'est ça aussi. Ouais, c'est clair qu'on était content de gagner la médaille d'or. C'est vrai que au début de la journée c'était pas gagné, mais tout s'est bien passé du début à la fin, quoi, parce qu'on sort quand même des grosses équipes entre la Russie, Japon, puis là le Brésil en finale, c'est costaud. Très tendu, très crispante. Alors avec deux décisions pas possibles, du coup c'est jusqu'au bout, un golden score, donc c'était une finale marathon. Champion du monde par équipe. Quelles sont tes impressions là maintenant tout de suite à chaud? C'est carrément énorme d'avoir fait ça avec mes potes, quoi. On vit toute l'année ensemble. On a passé les trois derniers mois à proximité, voilà, dans les stages, à l'étranger, en France. C'est génial de finir comme ça sur une médaille d'or et de pouvoir partir en vacances peinard. Un groupe soudé chez les garçons et ça nous a poussé vraiment vers le haut. On est super, super heureux aujourd'hui. Est-ce que tu pouvais quand même imaginer que c'est toi qui ouvrirais la voie? Non, parce que je pensais pas combattre, comme il avait été dit dans ma KT ce matin. Je pensais pas combattre et puis du coup ils m'ont dit bon, c'est Mathieu, c'est toi qui vas commencer la journée, et puis ça va, ça s'est bien passé. Avec ton remplaçant, une lutte intense parce qu'il a fallu aller jusqu'au bout du suspense. J'ai la même. J'ai la moins mal. Bof. Dimitri. Je suis toujours mal parti. Tous les athlètes, on les a accompagnés, on les a engueulés, on les a soutenus et voilà, les résultats arrivent, c'est super. Les matchs, on savait que ça allait être très difficile. Faut savoir que l'équipe japonaise, les filles sont très fortes, elles ont quasiment, quand on regarde les catégories, elles sont quasiment toutes championnes du monde. Donc c'est de la championne du monde au mètre carré en finale. Mais voilà, on était toutes motivées les unes derrière les autres et on savait que ça allait être difficile, mais voilà, il fallait pas qu'on lâche. Là, devant le public de Paris, devant le public de Bercy, face aux japonaises, faut le dire, c'est vraiment un superbe titre. Ça fait 6 titres pour la France et 5 médailles d'or, je crois, pour le Japon, et c'est vraiment super. À chaque étape, t'avais l'air super
détendu en sortant. Ah oui, là cette journée, non mais là cette journée, voilà, bah, en fait c'est un peu la magie des équipes, quoi. Donc on sait que bon, bah, si jamais il y en a une qui faute, la copine va rattraper le coup, donc il n'y a pas de souci. C'est vrai qu'aujourd'hui j'étais vraiment très détendue, relâchée, le sourire. Alors ça, c'était peut-être en contraste avec la course individuelle, mais c'est ça la différence entre la compétition par équipe et les individuels. Et c'est la magie des équipes tout simplement. On va dire que j'ai noyé mon chagrin aujourd'hui. Voilà. J'ai évacué la frustration. Voilà, j'ai évacué la frustration aujourd'hui. Ouais, c'est... Tu t'es vengé, c'est ça? Tu es allé en train de te dire je vais prendre ma revanche? Bah pas vraiment une revanche, mais j'étais tellement dégoûtée que je suis arrivée, j'ai dit ouais voilà, bah, je pense que ce qui m'a fait peut-être perdre aux individuels, c'est que je me suis mis peut-être un peu trop de pression. Et là du coup je suis arrivée, je ne vais pas faire la même erreur sur les équipes, surtout que ça dépendait. Enfin, il n'y avait pas que moi, j'étais pas toute seule. Et donc j'ai dit ouais, je peux pas faire cette erreur. Alors je voulais savoir à l'arrivée, c'était facile ou c'était dur? C'était dur, hein. Ça serait beau, c'était facile. Non, c'était dur, mais... Dur, mais génial. En définitive, c'était facile ou c'était dur, ce championnat du monde? C'était dur. Tu disais qu'être championne du monde, c'est la classe. Alors, être deux fois championne du monde... C'est vraiment la classe. Là, franchement... Non, c'est... Ouais. On n'a plus de mots, là. On n'a plus de mots. Non, je suis contente. Franchement, je suis contente pour moi, déjà. Je suis contente pour les filles, pour l'équipe. Je suis contente vraiment aussi pour les mecs. Et on a deux belles équipes de France. Et ça se finit bien. Alors c'est quoi le secret pour faire des champions du monde? Il n'y a pas de secret. C'est plein de choses. Bon, je parlais de l'aventure humaine, évidemment. Mais il ne faut pas être dans l'émotion. Il ne faut pas être dans l'affectif non plus. Il faut du respect, surtout. Respect pour les athlètes, il faut dire les choses, il faut être franc, être soi-même et ne pas mentir. Et surtout, le plus important, c'est la parole donnée. À partir de là, ben, on construit les choses qui sont saines. Et à partir du moment où c'est sain, ça évolue. Ce qu'il ne faut pas, c'est ne pas se disperser, évidemment. Et puis faire confiance aussi aux athlètes. Et il faut qu'il y ait un retour aussi, que les athlètes fassent confiance aux entraîneurs, même si ça ne convient pas parfois. Voilà, donc il n'y a pas de recette miracle, c'est les sensations de rapport entraîneur-entraîné, mais c'est surtout, l'important pour un entraîneur, c'est que ce soit l'athlète qui fasse pour lui. Faire en sorte que l'athlète fasse pour lui, ne pas les rendre dépendants, parce que c'est facile pour un entraîneur de rendre dépendant un athlète. Donc il faut juste donner à manger pour qu'ils s'approprient ce qu'on leur donne. Et à partir du moment où ils croient à ce qu'ils font, ça les fait vraiment avancer. Pas d'un pas, de deux. Alors que le reste, c'est peut-être pas top. Vous avez plus assez d'une seule main maintenant, ça marche plus ça. Maintenant on va faire ça, ou ça, on verra la prochaine fois. J'allais dire, elle existe une huitième merveille du monde, aujourd'hui elle existe, elle s'appelle Teddy Riner. Voilà, je pense que ça lance la course pour les Jeux Olympiques et puis ça nous met surtout sur la bonne voie pour faire des super performances à Londres. Alors heureux, c'est plus que mon petit poulet, il bat le champion du monde, le vice-champion du monde, le russe, tout le monde y pompe. Le champion olympique, il était pas là. Non, c'est une bonne recrue, non? T'en fais content. 8 mètres dans l'équipe. Je crois que ce qui a fait gagner l'équipe de France, c'est la culture de Levallois. La culture de l'équipe à Levallois. Bon ben bonjour à tous Levallois, et comme vous avez pu voir, on est pas mal à avoir gagné médaille d'or aujourd'hui au championnat du monde de judo par équipe. Merci à tous les Levalloisiens pour votre soutien et continuez comme ça.